Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Milly Croche. Alors aujourd'hui, nous allons confectionner ensemble l'écharpe Monica que j'ai réalisée tout simplement au point Monique. D'où le nom écharpe Monica. Donc alors, pour faire cette écharpe Monica, donc j'ai utilisé la fille caresse de chez Fildart, donc 51% d'acrylique et 49% de polyamide. Donc pour 50 grammes, pardon. Elle fait plus ou moins 146 mètres et j'ai utilisé un crochet 4 mm pour réaliser cette écharpe. Donc la fille caresse, j'ai utilisé 4 pelotes au total. Donc bah il y a du blanc, donc là il y a du bleu, elle existe aussi en gris et en rose aussi. Enfin il y a plusieurs couleurs. Donc ça, puis donc une aiguille aussi pour rentrer les fils à la fin du travail. Donc voilà pour le matériel nécessaire pour réaliser l'écharpe Monica. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens sous la vidéo. D'accord? Donc alors, juste pour préciser, donc avec 4 pelotes de fil caresse, elle fait 1,70 m de long sur 20,5 cm de large. D'accord? Donc voilà, maintenant on va partir pour les explications du point Monique pour réaliser donc l'écharpe Monica. Donc alors je vais prendre un fil différent, donc déjà un petit peu plus coloré, ça je mets ça de côté et un petit peu plus gros. Donc vous allez voir, le point Monique il est vraiment hyper facile à réaliser, donc en fait c'est la répétition du rang 2. Donc en fait il n'y a que ça à faire. Donc bah évidemment on fait le premier rang, hein, mais bon. Donc alors, pour le point Monique, il faut un nombre de mailles en l'air multiple de 3 plus 3 mailles en l'air. Donc alors moi pour faire l'écharpe, par exemple, j'ai monté 45 mailles en l'air plus 3. D'accord? Donc alors là, pour l'échantillon, donc on va monter 18 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18, le multiple de 3, plus 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ensuite, on va faire le premier rang. Le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2. Dans cette maille-là, on va faire une demi-bride. Ensuite, on va passer la prochaine maille. On va aller dans la maille suivante. Donc, dans cette même maille, on va faire une maille serrée. Une maille en l'air. Une bride. Donc tout ça dans la même maille. Vous allez voir, vraiment il est hyper simple comme point. Ensuite on va passer deux mailles. Une, deux. Dans la maille suivante, on répète une maille serrée, une maille en l'air, une bride. On passe deux mailles. Une, deux. Dans la maille suivante, on répète une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Donc ça, c'est ce qu'on répète jusqu'à la fin du rang. On passe deux mailles, une, deux. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. On passe deux mailles, une, deux. Dans la maille suivante, on répète une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Passe deux mailles, une, deux, dans la maille suivante, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Donc quand vous arrivez à la fin de votre rang, donc il vous reste deux mailles, une, deux. Donc on passe l'avant-dernière maille, dans cette dernière maille-ci, on va faire une maille serrée. Donc ça, c'est le premier rang, le rang de base. Donc ensuite, ce qu'on va répéter, c'est tout le temps, tout le long du travail, le rang numéro 2.
Donc pour le rang numéro 2, donc on tourne le travail, on fait deux mailles en l'air. Une, deux. Dans cette maille-ci, dans la première maille serrée, on fait une demi-bride. Là où on a fait la maille en l'air, ici là, on va tout simplement reproduire le même motif, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Dans le prochain arceau, on va dire arceau, hein. Dans le prochain arceau, là où on a fait la maille en l'air, on répète, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Prochain arceau où on a fait la maille en l'air, donc entre la bride et la maille serrée, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et ça, on répète jusqu'à la fin du rang. Et ça, c'est le travail qu'on effectue jusqu'à la fin de notre ouvrage. Vous voyez, la maille en l'air, donc là, on avait fait la bride, la maille en l'air, la maille serrée. Donc là, on recommence, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Là où on a fait la maille en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Vous voyez, franchement, il est hyper simple comme point à faire. Là où on avait la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et quand on arrive à la fin du rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Donc en fait, ce point-là, on répète toujours le rang 2. Donc quand on commence le rang, donc on tourne le travail, on commence toujours par deux mailles en l'air, une demi-bride dans la maille serrée. Dans chaque écart-là, où on a fait notre maille en l'air, donc à l'intérieur, donc sous la maille ici, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Sous la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Là où on a fait la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Voilà, c'est ce qu'on répète vraiment jusqu'à la fin du rang. Donc là, on a fait la maille en l'air. Donc on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Voilà. Là où on a fait la maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, une bride. À l'intérieur de la maille en l'air, on fait une maille serrée, une maille en l'air, une bride. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin du rang, on termine notre rang par une maille serrée dans la deuxième maille en l'air du rang précédent. Voilà, c'est tout ce qu'on a à répéter tout le long du travail. Donc le rang numéro 2. Donc on commence, pardon. Donc on commence par deux mailles en l'air, une demi-bride. On termine le rang par une maille serrée. On tourne le travail, on refait deux mailles en l'air, une demi-bride. On termine par une maille serrée. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le point Monique et réaliser donc l'écharpe Monica. Voilà, le point hyper simple et franchement je le trouve vraiment joli. Mais ça se trouve aussi ça pourrait peut-être même aller selon la couleur qu'on utilise évidemment. C'est un point qui peut-être pourrait être utilisé pour faire une écharpe peut-être pour homme. Ce sera à tester ça, dans les tons un peu marron, gris foncé ou quoi. Voilà, donc voilà l'explication pour le point Monique et pour réaliser notre écharpe Monica. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.